Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo. Je mange Picard pendant 24 heures. Donc j'avais fait une vidéo comme ça il y a pas longtemps du tout, où j'étais allée chez Picard, j'avais pris des trucs au pif, enfin ce qui me faisait envie sur le moment. Et à la fin de la journée, j'atteignais pas mes macros. Cette fois-ci, j'ai anticipé, je suis allée sur leur site et j'ai fait en sorte de choisir des repas qui me permettent d'atteindre mes macros à la fin de la journée, c'est-à-dire le nombre de calories que je dépense ainsi que mon quota de protéines. Comme vous le voyez, je ne suis pas chez moi, je suis dans un Airbnb à Rennes parce que cette semaine je suis en formation. C'est assez pratique de faire les vlogs Picard quand je suis en formation parce que je suis pas du tout dispo la journée, donc c'est un petit peu plus compliqué pour vloguer. Et me faire des courses Picard, ça me fait gagner du temps sur une journée, j'ai pas à cuisiner, donc c'est très pratique. Normalement aujourd'hui je fais les jambes, enfin ce soir en toute fin de journée vers 21h je pense je vais aller faire les jambes. Avant ça j'ai ma journée en formation, on est en salle de sport donc je crois qu'on va faire voilà le sport avant de faire les jambes. C'est pas top mais bon c'est comme ça. Il me semble qu'il y a un watt de crossfit qui est prévu, tout ce que j'aime. Je pense pas que je pourrais vous filmer quoi que ce soit en formation. Je vais quand même faire en sorte de filmer mon repas vu que c'est un peu le but de la vidéo. Sur ce, je vous retrouve hier où j'ai fait mon petit retour de course Picard pour vous montrer ce que je vais manger aujourd'hui. Bon, nous sommes la veille, là il est 21h mais tout à l'heure je suis allée chercher ma commande Picard, donc je vais vous montrer ce que j'ai pris pour le petit déj. Ça sera ces pancakes. Normalement, d'après le site, je voulais prendre les 2 giga pancakes. Je sais plus comment ça s'appelle sur le site, mais en gros c'est 2 gros pancakes avec du caramel beurre salé, il me semble. C'est dans la gamme cuisine du monde américaine. Sauf que c'était pas disponible au Picard de Rennes, du coup j'ai dû me rabattre là-dessus, ça me fera moins de protéines. Mais voilà, et du coup en topping, je mettrai, enfin vous verrez, je ne vous spoil pas. Ensuite pour le déjeuner, j'ai pris ceci, donc des radiatori au pesto et mozzarella au lait de buffalone. Désolée pour ma prononciation, mais en tout cas ça m'a l'air bien bon et les macros sont pas mal du tout. Pour le snack, j'ai pris quelque chose de salé, un bagel au saumon, parce qu'en fait mon défi c'était de trouver ce qui me permet de manger suffisamment de protéines. Pour le dîner, j'ai pris un plat de la gamme plus d'équilibre, donc crevettes à l'indienne, lentilles corail et légumes. Donc là c'est pas calorique du tout et c'est très riche en protéines. Pour le dessert, j'ai pris muffins, myrtilles, flocons d'avoine, c'est la gamme, je sais plus c'est quoi le nom de la gamme, mais en gros c'est moins de sucre, voilà c'est allégé en sucre. Donc voilà, hâte de tester tout ça, je vous retrouve pour le petit déj. Et bien verdict des pancakes, c'était très bon. Il me semble que j'avais déjà testé leurs pancakes, leur boîte de 6 pancakes. Et franchement c'est prêt en quelques secondes au micro-ondes. Voilà, enfin rien à dire dessus. J'ai quand même rajouté un topping qui n'est pas de chez Picard, parce qu'il n'y avait pas de topping fourni avec. Donc j'ai pris 2 carrés de chocolat que j'ai fait fondre et c'était franchement très très bon. Au niveau des macros, ce petit déj honnêtement manque un petit peu de protéines comme je vous l'ai dit. Normalement je devais prendre autre chose qui était très légèrement plus riche en protéines, mais ce n'était pas disponible dans le Picard où je suis allée faire mes courses. Mais franchement ça va, et normalement avec ce que j'ai prévu j'atteins mes protéines à la fin de la journée. Bon écoutez, moi je vais me préparer pour aller en formation et on se retrouvera pour le repas du midi. Alors le repas de ce midi ressemble à ça, donc il s'agit des pâtes au pesto avec le fromage.
en vrai, c'était super bon. En termes de volume alimentaire, par contre, c'était pas énorme par rapport au nombre de calories qu'il y a. Mais en termes d'apport en protéines, on est bien. Et franchement, c'était giga bon. Si jamais je devais avoir un plat en dépannage à avoir dans mon congélateur, ce plat pourrait carrément faire l'affaire parce qu'il est très très bon et les macros sont quand même intéressants. Le hic, c'est le volume alimentaire, mais sinon je valide à 100%. Bon les amis, il est 17h07, je viens de rentrer de ma formation, vous le voyez, je suis un peu transpirante, je suis un peu rouge parce que nous avons terminé la journée par une sorte de WOD de crossfit où on a fait squat pistol et des fentes arrière. Pour la collation, donc c'est du salé, j'ai pris un bagel au saumon fumé, fromage frais et 6 boulettes. Donc là je viens de le sortir du congèle, pour le manger chaud il faut le passer 2 minutes à 750 watts au micro-ondes et pour le manger froid 6 minutes à 150 watts. Je préfère le manger froid étant donné que j'ai super chaud, donc let's go. Et bien voici ma petite collation, ça m'a l'air pas mal, ça sent bon et je pense que ça va être bien rassasiant. Après j'ai pas une faim monstre étant donné qu'il fait chaud et que je viens de faire un effort physique, mais vu que je vais faire les jambes tout à l'heure, je dois manger surtout pour bien récupérer de ce que je viens de faire. Et j'ai pris une collation sucrée parce que c'était, c'est plus facile d'atteindre ses protéines lorsqu'on mange salé que sucré, surtout si les préparations sucrées sont des préparations classiques. Je sais pas si vous avez remarqué dans toutes mes autres vidéos, mais quand je cuisine moi-même, à chaque fois que je fais quelque chose de sucré, je rajoute des protéines en poudre dedans, parce qu'avec les ingrédients classiques, on a un peu du mal à atteindre ces protéines. Bref, goûtons ce bagel. Eh bien écoutez, ça a le goût de ce qu'il y a indiqué sur la boîte, étant donné bagel au saumon fumé et fromage frais et ciboulette. C'est le goût auquel on s'attend. Les instructions de cuisson, pareil, nickel. Je le veux froid, et ben là c'est complètement décongelé et c'est froid. Donc c'est parfait. Certes, par rapport au prix que ça coûte, j'aurais pu clairement le faire moi-même, on est d'accord. Mais ça dépanne lorsqu'on n'a pas le temps et qu'on n'a pas envie d'acheter 36 000 ingrédients. Ok les amis, voici le repas de ce soir. C'est pas très présentable, on est d'accord. Ça sent bon. Donc c'est le curry de crevettes avec lentilles corail. Je suis explosée. J'ai mal aux jambes, j'avais trop chaud durant l'entraînement. Du coup j'ai pas tout fait parce qu'il fallait que j'adapte. Et avec l'entraînement que j'ai fait avant en formation. Bah là je commence à être fatiguée, il est 22h10. Alors goûtons ceci. C'est bon, ça a du goût, c'est épicé. Enfin c'est épicé, ça pique pas mais on sent bien les épices. C'est pas fat du tout. Et je vous mets les macros, c'est pas calorique du tout pour un repas. Et il y a 30 grammes de protéines. Donc ratio calories et protéines, il est excellent. Mais ne vous inquiétez pas, je vais pas manger que ça. Ensuite j'avais prévu un dessert. Alors le muffin est franchement très très bon, moi qui n'ai pas fan de myrtille à la base. Eh bien je le trouve très très bon, j'ai pas grand chose à dire de particulier, c'est un muffin tout ce qu'il y a de plus classique. Donc voilà, c'est très bon, je valide. Bon retour sur cette journée, désolée pour la lumière mais j'ai pas ramené mes éclairages et tout dans le Airbnb.
Donc, pour rappel, la dernière vidéo Picard que j'ai faite, je suis allée faire mes courses au pif pour acheter de quoi manger pour une journée. Et le problème que j'avais au niveau des macros, c'est que j'avais un apport en protéines d'une personne sédentaire. Moi, mes apports en protéines sont de 1,6 à 2,2 grammes par kilo de poids de corps, ce qui me fait une fourchette de 96 à 120 grammes de protéines à respecter, étant donné que je suis à peu près 60 kilos. Et j'étais bien en dessous lors de cette dernière vidéo. Du coup, je me suis dit que j'allais refaire la vidéo, mais cette fois en anticipant et en étudiant le site internet pour voir quelle combinaison de plats pourrait me permettre d'atteindre mes calories de maintien, donc environ 2200 calories, et mes apports en protéines, donc minimum 96 grammes. Voici les macros totaux de la journée. On est à 2292 kilocalories, un petit peu au-dessus de mes besoins. On est à 217 g de glucides, 94 g de protéines et 105 g de lipides. Donc on n'a pas atteint les 96 g de protéines, après on est à 94, c'est pas très loin, donc ça va. Mais honnêtement, c'est très difficile de trouver du petit déjeuner ou du snack suffisamment protéiné chez Picard. Enfin en tout cas quand on veut quelque chose de sucré. La dernière fois aussi, dans la dernière vidéo, ce qui m'avait choqué, c'était l'apport en sel. On dépassait 10 g de sel dans la journée, alors que les recommandations de l'OMS sont de maximum 5 g de sel par jour. Là, on a également dépassé la recommandation des 5 g de sel. On est un petit peu mieux, on est à 7,6 g de sel dans la journée. Après, c'est pas étonnant, de toute façon, si vous mangez des plats préparés, vous serez en surplus de sel parce qu'il y a énormément de sel ajouté, c'est pas un secret. C'est pour ça qu'il est important de cuisiner maison à partir d'aliments bruts pour pas manger trop salé. Mais c'est également bien plus intéressant de cuisiner soi-même pour avoir une cuisine qui correspond vraiment à ses besoins. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi j'aime bien faire ce type de vidéo quand je suis en déplacement comme ça parce que je peux pas trop filmer ma journée comme je vous l'ai dit, et ce genre de vlog c'est quand même très pratique. Dites-moi si vous voulez que je teste une autre enseigne ou si vous voulez que je reteste encore d'autres plats de chez Picard. En tout cas moi j'ai bien aimé tourner cette vidéo. N'oubliez pas de laisser un like, de commenter, de vous abonner pour me soutenir, et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.